Eh bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, dans le titre, il est annoncé 15 000 V-Bucks, mais sachez qu'il y a aussi d'autres choses à gagner les gars. Je vais vous faire une grosse vidéo vous expliquant comment essayer de gagner tout ça les gars, j'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche. Bien sûr, le code créateur Telmo-Lopez. Les gars, aujourd'hui, Fortnite, une fois de plus, organise des choses sympas, et ça s'appelle Colossal Park. C'est une carte créative, les gars, que je vais vous montrer tout de suite avec ce code-ci. Donc retenez bien le code 3116108Z3942. Donc parc colossal speedrun. Donc les gars, c'est un speedrun où il faudra entrer et sur cette île créative, il faudra parcourir des activités pour essayer d'être le plus rapide pour gagner des V-Bucks ou un pack Darkfire. Donc vous savez, le pack sombre où il y a 3 skins à gagner. Il y a deux façons donc de participer. La façon dont vous faites dépendra du coup de vous ou de la chance, c'est-à-dire si vous êtes le plus rapide ou parmi les 10 personnes les plus rapides à effectuer ce speedrun, vous gagnerez entre 15 000 V-Bucks et 2500 V-Bucks, ou alors vous pouvez essayer de gagner par un tirage au sort fait sur Twitter officiel. Alors les gars, je vais rentrer dans ce parc colossal et lorsque vous vous rendez là-dedans, les gars, il va falloir lancer le jeu et essayer de parcourir le parc colossal le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous allez avoir le Far West là-bas, là-bas le Mirror, en gros c'est un labyrinthe, là-bas les gars, un truc où il faudra faire comme un Death Run, et là-bas pareil ce sera un Speedrun Crazy Mine. J'ai tout essayé et je vais vous montrer les gars à peu près les différentes maps. Alors, je vous explique quand même ce qu'il faudra faire les gars, puisque vous vous rendez sur cette carte, donc comme je vous ai dit, l'île 31, 16, 10, 87, 39, 42. Et c'est une île qui a été créée par un membre de la communauté. Il faudra terminer le circuit dans les plus brefs délais. Et il faut surtout, les gars, enregistrer votre parcours avec l'itinéraire complet. Car ils auront besoin chez Epic Games de voir l'enregistrement sur YouTube. D'accord? Vous devez le partager sur YouTube pour être sûr d'avoir une preuve de votre meilleur temps partagé. D'accord? Donc, lorsque vous allez partager votre meilleur temps sur YouTube, il y aura un formulaire d'enregistrement. Tout ça, de toute façon, je vous le mets en description, les gars. Je vous mets le lien de tout ce que je suis en train de vous dire en description, que vous puissiez participer. Avant de soumettre le meilleur temps, n'oubliez pas de vérifier les règles du concours, bien sûr. Vous pouvez envoyer tous les temps et les vidéos que vous souhaitez, mais seul le meilleur temps sera comptabilisé, les gars. À partir du 12 mai, ça veut dire que là, vous pouvez faire ça à partir de maintenant, hein, déjà, les gars. C'est du 30 avril au 7 mai, hein, d'accord? Donc là, ça fait déjà 3 jours, mais on a été mis au courant que maintenant, le 12 mai, les gagnants seront contactés par mail ou par message depuis Twitter directement, d'accord? Pour gagner, les gars, je vous explique, les récompenses V-Bucks, les fameux 15 000 V-Bucks, seront pour la première place. Ensuite, deuxième place, 12 500 V-Bucks. Troisième place, 10 000 V-Bucks. Quatrième place, 7 500 V-Bucks. Cinquième place, 5 000 V-Bucks, et de la sixième à la dixième place, 2 500 V-Bucks. Maintenant, on passe au concours, puisque les gars, ça c'était pour les meilleurs temps. Maintenant, juste pour participer au tirage au sort, vous allez être 5 personnes pour un tirage au sort, d'accord? Il faudra prendre une capture d'écran dans laquelle on est justement dans le Colossal Park. Donc ici, vous pouvez la prendre où vous voulez. D'accord, genre là-bas sur le bateau, ici à table, là en train de faire du manège. Et lorsque vous partagez vos captures sur Twitter en utilisant le hashtag FN Parc Colossal, que je vous mettrai également en description, entre le 5 et le 10 mai, les gars. À partir du 12 mai, pareil, ils contacteront les gagnants par mail ou directement sur Twitter. Les 5 gagnants recevront 2500 V-Bucks et un code pour le bundle Darkfire que je vous ai dit, et n'oubliez pas de vérifier les règles du tirage au sort, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, tout simplement, l'île créative, c'est celle-ci. On va maintenant lancer le jeu, et je vais vous montrer en quoi ça consiste les différentes méthodes. Donc là, par exemple, vous allez directement au surf de log, et vous essayez de pas trop perdre de temps, les gars. Hop, vous allez descendre directement en bas, et vous allez avoir un death run à faire, comme ceci. Hop, donc là, vous avez votre death run, tranquillement. Vous le faites. Là, pareil, vous allez ici, vous descendez, hop, hop, vous essayez de le faire au mieux possible. Bref, je ne suis pas non plus l'expert dans la matière. D'ailleurs, je sais qu'il faut passer par en haut parce que j'avais déjà essayé tout à l'heure. Voilà. Vous faites ça. Une fois que c'est fait, en fait, vous enchaînez. Là, il faut, voilà. Nickel. Hop. Vous passez comme ceci, les gars, toute l'étape.
le plus vite possible, d'accord? Parce que du coup, c'est comptabilisé votre timing. Si votre timing il est pas bon, bah vous serez pas parmi les meilleurs. Donc là, j'ai raté. Forcément, à ce moment-là, bah normalement, il est censé sauter, hein, le truc. Bah alors? Voilà. Je vous explique. Si vous ratez comme ce que je viens de faire là, c'est trop tard. Hein, parce que je vous dis, il va y avoir des gars qui vont faire des temps de fou. Donc si vous recommencez comme moi à chaque fois là, vous n'aurez pas le meilleur temps. Donc je vous conseille à chaque fois que vous faites une heure, malheureusement, de relancer. Si vous relancez pas, vous n'aurez pas le meilleur temps. Donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà à peu près pour le petit premier. Ce qu'on va faire, les gars, vous voyez, c'est qu'il y a le petit œuf à la fin à récupérer. Vous retournez à l'accueil comme moi. Je vais vous montrer maintenant. Par exemple une deuxième course pour que vous puissiez vous familiariser avec le truc. Mais moi je vous conseille de toutes les essayer, d'accord? Parce que justement, et c'est en espagnol, bienvenue au parc colossal, l'objectif sera de compléter toutes les épreuves dans le meilleur des temps possible. Donc là les gars, pareil, on a le labyrinthe qui est là-bas, on a ici le Far West, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer le Far West par exemple les gars. Quoique non, je vais essayer l'autre juste à côté, donc on passera de Surf the Log à Crazy Mine. Et dès que vous obtenez, dès que vous finissez la course, il y aura marqué complete. Donc vous aurez complété le truc. Et vous passez à un autre, etc. Donc je vous conseille de bien vous familiariser avec les différents Death Run, si je puis dire. Et dès que vous les faites, vous les complétez, mais à la suite. Mais du coup, vous choisissez celui que vous préférez. Peut-être pour la fin, histoire de commencer par celui que vous détestez le plus. Parce que comme ça, si vous le ratez, bah, vous êtes quasiment sûr de réussir le premier. Hop. Donc voilà, par exemple, ça c'est le deuxième. Après celui-là, c'est vraiment du. Comment dire? De la course. Par contre, c'est là où vous pouvez gagner le plus de secondes précieuses pour justement essayer de passer le truc le plus vite. Donc là, par exemple, lorsqu'on l'a complété, eh bien, c'est complet et on va à l'autre. Donc tout simplement, les gars, n'oubliez pas de vous entraîner, de lancer votre temps. Et surtout, même si vous êtes nul, entre guillemets, et que vous n'arrivez pas à faire les Death Run, essayez de prendre une photo pour participer au tirage au sort, les gars. Il y a toujours des V-Bucks à gagner. Il y a toujours moyen de faire un bail assez sympa. Donc n'hésitez pas. Donc là, j'ai pas compris celui-ci du Far West. J'ai toujours pas compris. J'ai regardé un peu. Je crois qu'il faut tirer là-bas, là, dans les trucs. Ok, non. Ouais, ok. Donc on essaye, mais ça marche pas. Je sais pas exactement quoi faire. Je croyais que moi qu'il fallait faire tomber les pièces de bois là. Mais apparemment non. Mais bon, dans tous les cas, les gars, vous avez compris le concept, je pense. Il faut faire du temps. Le meilleur temps l'emporte. Et lorsque vous êtes pas trop chaud avec le temps, eh bien vous essayez de faire les captures. Justement pour essayer de participer au tirage au sort de Twitter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que tout est en description, les gars. Il y a quand même. Plus de, au total, plus de 100 et quelques mille V-Bucks à gagner. Donc, n'hésitez pas à participer, tout simplement. C'est un contenu qui est encore une fois proposé, un peu comme l'histoire des batailles communautaires, qui vont arriver d'ailleurs dans d'autres circonstances, parce que j'ai d'autres vidéos qui vont arriver pour gagner encore plus de récompenses, les gars. Donc, n'oubliez pas qu'il va y avoir encore plus de récompenses à gagner très bientôt. Suivez mes vidéos, abonnez-vous, likez. Et n'oubliez pas, code créateur Telmo-Lopez, les gars, et surtout de rester zen. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!